Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Manger l'argent, je dois l'eau, je dois l'eau, d'accord ça. Mais, pour faire ce deal clair, l'homme qui a pris, qui bâtissonne au Parlement, au Parlement à caca. Il bâtissonne au Parlement avec caca. Il crasse le bureau. Même lui qui a pris ça, il s'est volé d'Elko. Et tu vois, au Genève, jamais il vole. On vole, il est au gang. Il a pris pour planifier pour le pays d'Haïti, monsieur. C'est grave. Pour lui qui a planifié pour Haïti. Il va choisir, il t'a fait l'émission et l'émission de Tonel. Ça va être démagogie. Et il a commencé à nous dire clair. Il a choisi. Et Réle Magali, il a écrit, puis il a dit SNGNS. Il va la jouer, il va la jouer. Il va la jouer, et parce que, yo, 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 Claude Joseph a demandé justice pour Jovenel, il a retiré le pouvoir. Bernard Claude, commissaire, il a dit pour tenir Ariel, Ariel est tiré. Rockefeller, il a dit qu'il doit tenir. Et Ariel, Ariel est tiré. Il n'y a pas de monde qui était avec Jovenel, par exemple Hippolyte. Hippolyte a joué Ariel, il a fait compromis ensemble. En sérieux, il a joué Magali, il a dit Magali, ma boss ministre, ma boss directrice, venez pour voir avec nous. Il a dit Magali qui faut se marier avec elle. Il a dit Magali, dit non, sous ce Jovenel là, tout un Jovenel, pas une justice, il n'y a pas de compromis avec l'assassin. Il a choisi et d'appeler. Il a choisi, il a dit, peuple haïtien, levez le campé contre Ariel. Il faut qu'Haïti soit libéré. Civil contre régime qui tape ça, régime gang ça, régime volé ça qui là, qui c'est Ariel Henry, qui a marché pour tout volé. Depuis qu'on est ce volé, il y a l'eau, il met le pouvoir. Nous, on est clair, nous, nous comment on est allé la fonte là, et nous connaissons pour qui raison ils ont été révoqués la fonte. La fonte a violé les gens là, la fonte a fait kidnapping, la fonte a été dans toutes les actes malhonnêtes. Je dis à nous, c'est la faute de aller mettre chef gang paquet pour tout prince. Nous, la Cour supérieure des comptes, il y a 36 millions de gouttes qui fait fond dans la gestion Magali habitant dans SMGRS. Je dis à la Cour supérieure des comptes, côté arrêt de débat, côté rapport suivi arrêt de débat, il est sorti, contre Wilson Jeudi, même la Cour supérieure des comptes, ça, Talbay Wilson Jeudi, un certificat de décharge, à 2h du matin, le café Trio Pétionville. Côté Cour supérieure des comptes, ça a été lui-même. La Cour supérieure des comptes, là. Il a supposé Réle Magali parce que mal géré SNGRS. Est-ce que c'est Magali qui est seulement mal géré? Mais je dis à la, mais Rika Pierre a plapi de fond l'État là, oui. Le ministre de planification, oui. Mais toi, ben Alexis, a crasé le ministère des Sports là, oui. Pour qui ça? Pour qui ça, chef de paquet pour tout le monde, il parle les Mounsayo. Pour qui ça va aller, Wilson Jeudi, qui te gagne 50 000 dollars américains qui fait fond dans côté Cour supérieure des comptes, ça a été sorti. Yon rapport suivi, yon arrêt de débat. Tout le monde connaît arrêt de débat qui s'allie. Arrêt de débat, son autorisation, yon à la justice. La police n'est pas citoyen. Depuis, elle vole ça, mettre mélancolique, elle traîne devant notre commissaire, mais sous commissaire. Même si on t'a mal géré l'argent, l'État pas se poser l'île. Mon frère. Je ne peux pas dire, quel que soit un monde qui a mal géré l'argent, l'État pour préparer les noms. Je dis à vous qui ça c'est Magali qui a demandé justice pour Jovenel Moïse là. La faute était là déjà, il fait 3 ans de, là. Jovenel était révoqué pour corruption. Pour qui ça avant Jovenel était révoqué là, il battait les Magali habitants. Pour qui ça c'est Kounel là après les Magali habitants. Pas de monde qui est garé là. Pas de monde qui connaît non. Pas de monde qui dit. Si on est coupable pour ne pas paraître devant la justice, il y a des gens qui sous-tête la justice. La justice sous-tête tout le monde. Mais je dis à Fort Bagay, vous faites bien. Si d'après le Magali, il faut que nous ayons le Nenel Kassi, il faut que nous ayons le André Michel, il faut que nous ayons le Moïse Jochal, il faut que nous ayons tout le monde ça. Pour qui ça va aller? Je dis à Mdoumeri Capier, à plapi de la Jopéria là. Pour qui ça va aller? Monsieur, je dis à l'éclair. Ce sont persécutions politiques, ni par l'autre qui ont persécutions politiques. Effectivement, aujourd'hui 4 février 2022, nous avons lancé une convocation à les habitants. Et qu'à 10h33 minutes, nous recevons une correspondance qui sort dans le cabinet d'une coque. Et qui dit ce cabinet, c'est avocat, madame habitant. Mais il faut me préciser que
cette convocation ne concerne pas seulement Magali Habitant. Ça concerne quatre autres personnes qui sont impliquées dans un rapport préparatoire, arrêt préparatoire, cours supérieur des comptes. Donc, c'est qui est-ce? Bagayé dans le traitement là, mais je crois que, dans un petit moment, je crois qu'il s'agit de d'abord Madame l'habitant de Rosemont Joli Cœur. Il s'agit de Monsieur Ralph René. Il s'agit de Monsieur Jocelyn Borgela. Il s'agit enfin de Monsieur Lafleur Pierrette. Donc c'est sept mounes, convocation concernée. C'est quatre? Cinq mounes. Cinq? Sept mounes. Un, deux, trois, quatre, cinq. Mais malheureusement, comme Madame Magali, son mot qui est plus gros nom, c'est non capacité dans la presse. Et donc, nous recevons une lettre qui sont dans le cabinet Maître Edwin Koch. Par cette correspondance, Maître Edwin Koch sollicite du parquet un report de cette convocation. Et à la lecture de cette lettre, nous disons c'est à bon droit pour demander report là. Il est capable, mais il n'est pas capable de fixer pour nous à 18 février. Donc nous allons lancer nos deuxième convocation et la prenons dans une convocation qui date de la précisé pour lui. Donc voilà pour. Et l'autre Mounio, c'est juste. L'autre Mounio, écoutez, son seul dossier, hein, nous pensons que le report là, il va là pour l'autre jour. Même pas gagné, l'autre correspondance de l'autre avocat que avocat Magali. Maintenant, dossier annulation interdiction de départ contre Dimitri Vorbe et consorts. Quelle explication capable de nous? Eh bien, écoutez, vous savez que ces mesures d'interdiction de départ ont été prises par le commissaire du gouvernement, alors moi, à moi parlant, maître Jacques Lafontaine, contre ses actionnaires de la Sogenère. Mais vous savez que c'est des mesures provisoires. Mesures provisoires qui sont capables à tout moment et retiré par une décision de un tribunal compétent. Et le tribunal compétent en cette matière, c'est le tribunal des référés. Donc voilà maintenant, le juge des référés a annulé, il fait retrait de ces mesures provisoires, donc prises par le parquet il y a déjà 2 ans. Et donc, c'est à mon droit pour le parquet à l'exécuter ou pas en réquisition que nous adresser au directeur de l'immigration. Est-ce que répondre avec Nomio? Nomme légal, est-ce que c'est un processus qui violait la loi? Qui processus? Parce qu'il y a trait avec et sans aucune forme de procès, nous annuler et interdiction. Non, c'est ça, nous, le tribunal qui est compétent pour cela, c'est le tribunal des référés. Et voilà, le tribunal a rendu sa décision, son arrêt, le tribunal des référés, et que en bas des décisions à nos cours, mais nous-mêmes, nous exécutons conformément à la loi. D'accord? Ok, libération Abulaco ou bien non, c'est pas libération. On a parlé des décisions qu'il prend hier en ce qui concerne le dossier Abulaco. Qui explique à vous comme ça? Bon, écoutez, et le juge correctionnel, les grandes décisions, il condamne Abulaco pour 4 ans. 4 ans qui sont peines correctionnelles. Et donc, nous autres, au niveau du parquet, nous sommes capables de faire appel de cette décision. Parce que nous pensions que nous sommes capables d'aller plus loin. Mais comme parquet a. Dans cette conclusion, lors de l'audience correctionnelle, nous avons requis une peine de 4 ans. Le juge correctionnel suit nous. Donc, vous pensez qu'il y a deux bagages à faire. Le juge a 24 heures pour te reprendre la décision. Donc, jusqu'à date, nous pouvons prendre 24 heures. Et que l'été prenne vers 1 heure de l'après-midi. Nous espérons que conscience est amenée à parler avec lui pour être capable de reviser la décision. Mais s'il ne pas vrai, avocat, là, pour capable de faire appel de décision. En ce qui concerne le dossier VOB là, étant donné que le juge a qualifié que décision était prise contre cette décision qui est illégale, est-ce que nous ne sommes pas tenter d'autres actions contre l'État ici? C'est pas l'État qui est prêt, c'est le commissaire au gouvernement. Et vous n'êtes pas mesure. Donc si vous avez une action, c'est comme un gouvernement. D'accord? En même temps, si on a un fait, puis moi-même pour me défendre, moi. Donc, comme ça doit. D'accord? Okay. Mais on a engagé l'État en action ça. Non, c'est une autre procédure. Mais s'agissant de ces mesures
provisoires qui ont été prises contre eux, c'est à moi qu'il faut s'attaquer, mais non à l'État. Et d'autres décisions, par exemple, qui sont sous-génères de... Ça, c'est autre chose. Bah, je n'entre pas là-dedans parce qu'on juge qui saisit de questions. Voilà. Qui a saisi? Je crois que c'est le juge du meilleur zone. Okay. D'accord, merci beaucoup. Commissaire, concernant le dossier Abilakwa, est-ce que vous croyez que le commissaire qui était siégé a subi des menaces? Je ne suis pas au courant, mais s'il y a une action comme ça, pensez la vous n'avez pas la même. Et puis d'après telle mesure, à vous prie. Merci beaucoup. Dans la commission municipale de la Croix des Bouquets, monsieur Jean-Wisnel Edwin Perville, nous prenons la parole. Dans le cadre de la cérémonie, il faut que nous soyons capables d'ouvrir la commune, la baie, d'INEPA, dans le cadre du projet de l'eau. C'est un projet qui, depuis environ 5 ans, c'est la communauté à Taptan. Grand pile montée, descend, grand pile, parlant pile pour arriver à grand jour. Mais moi, je crois que sent-il fier. Pour l'eau qui pourrait couler dans le robinet Kay, mon canaran qui était conduit dans le temps, c'était un désert. Et comme projet ça, il n'est pas seulement arrêté sous seulement station ça à côté de Nia Cyber, il vient pour l'étendre sur tout le reste quartier canaran. Et c'est comme ça qu'on attend la collaboration avec les partenaires USAID qui te permettent que le travail soit fait. Dans le premier temps, Global Communities, Croix Rouge américaine et tout l'autre partenaire qui t'avait pour arriver à DAI et je dis pour faire passation à DINEPA et au RIPA, Croix des Bouquets qui a pris contrôle du travail. Ça. Nous disons bienvenue, Canaran, content en pile et nous avons plus de main encore. Merci. Je salue USAID. Qui permettent que DINEPA arrive porter correction. Et c'est ça que le gouvernement baille tête li comme objectif pour le fait de l'eau arriver le plus près possible de la population. Et Premier ministre, Son Excellence Ariel Henry, toujours informé. À travers ministre Rosemont Pradel des Travaux publics, Transports et Communications, de tout ça que nous-mêmes avons fait en dans secteur d'eau potable et assainissement. Ça a gagné quelques mois pour me dire plus qu'un an, nous te vîmes là, nous te vîmes constater phase opérationnelle station de pompage cyber à côté de nous là. Mais ligne de refoulement Jean directeur Ostidil là qui sorti là dans localité cyber pour arriver dans Mon Canaran, eh bien ligne de refoulement ça a été bail problème, eh bien avec accompagnement USAID à hauteur de 2 millions de dollars, eh bien nous non seulement refait ligne de refoulement de 4 km pour arriver dans réservoir de 500 mètres cubes ou bien 132 000 gallons dans Canaran 5. Mais tout, nous arrivons à poser plus que 3,7 km de ligne de distribution pour nous faire en sorte que ensemble de bassins que nous répertorions qui au nombre de 200, mais pour le moment qui 20 qui interconnectés entre eux pour nous faire alimenter. Mais tout, sous 245 branchements ou bien compteurs, il y a 104 déjà posés. Ça veut dire que nous-mêmes qui prenons consommer de l'eau ou bien qui consommer de l'eau, nous avons tout intérêt à l'ambureau d'INEPA pour nous faire en sorte que eh bien, nous inscrits eh bien, pour de l'eau capable d'arriver le plus près possible côté nous. Pour nous capables d'avoir une idée de station pompage à côté de Nia,
Forage là gon capacité de 52.70 litres seconde. Ça veut dire que environ 14 gallons chaque seconde. De pour passer groupe électrogène ça, 14 gallons. Soit passer groupe électrogène là avec deux tanks gaz ça que nous gagnons qui totalisait 2500 gallons. Pendant plage d'horaire de 8 heures de temps, eh bien, nous sommes capables de prendre 402 000 gallons chaque 8 heures de temps pour nous alimenter le canard. Un réservoir de 500 mètres cubes, ça veut dire 132 000 gallons. Donc, on en mesure pour être capable de remplir le réservoir ça au moins deux fois, pour ne pas dire trois fois. Chaque jour, toutes les fois que carburant disponible, toutes les fois que ou même consommateur, consommatrice, ou bail contribution, c'est graisse cochon pour cuit cochon. Mais femme dit nous avons préoccupation, nous avons demandé pour collectivité territoriale, le mairie accompagné du NEPA. Dans n'importe pays, avant ou al habiter, avant ou al construire, c'est infrastructure de base qui existait déjà. L'école, santé, dîner pas passer tuyau, pour de l'eau passer normalement, et puis dîner pas passer l'autre tuyau pour s'en aller faciliter assainissement collectif. Yo. Mais nous connaissons l'histoire Canaran. Canaran, ce tremblement de terre 2010 là, vient de faire naissance à lui-même. Kounya nous-mêmes, nous prenons des mounio. Alors que c'est nous qui pouvons là avant, dans le cadre projet de lotissement, eh bien, pour moun yo vini après. C'est ça qui fait que ou ka arrive non situation côté que di n'est pas kabaye. Di n'est pas kabaye service la jan ta remen bay li. Parce que nous non situation d'habitat dispersé. Ou moun a 3 km, 10 moun a 3 km et puis li di di n'est pas fok di n'est pas bay de l'eau. Et di n'est pas dépend à 98% de financement international. Et quand nous parlons de financement international, nous sommes assujettis aux procédures aux politiques des bailleurs. Ça veut dire que c'est lui pour l'autorisation, pourquoi la dépenser. C'est qu'on s'allie. Donc, en clair, comme c'est casse, c'est dans la situation ça a que nier, et bien nous obligés de conjuguer avec bailleurs. Nous avons un problème entre nous, mais nous résoudons le problème là à l'interne. Et nous jouons une approche pour nous avancer. Et c'est l'occasion ça pour me saluer non seulement USAID, mais pour me saluer Banque Interaméricaine de Développement, la BID, pour me saluer Banque Mondiale, pour me saluer Coopération Suisse, pour me saluer Coopération Espagnole. Parce que c'est au bas accompagnement. Il y a tant d'autres ONG qui toujours mettent à la disposition nous. Le 15 décembre, nous sommes au CAI. Qui s'en a fait au CAI? Nous avons une station de traitement d'escrita d'eau usée et de bout de vidange qui a inauguré au niveau de Fonds Fred. Accompagnement Banque Mondiale. Accompagnement USAID. Accompagnement BID que le gouvernement haïtien joigne. Et nous recevons instruction au niveau de Premier ministre là pour nous continuer à faire effort parce que nous avons compte à rendre à l'autorité ça régulièrement ainsi que à ministre Rosemont Pradel. Donc le 16 sorti au CAI, nous t'a le Tiburon, nous t'a les Anglais, nous t'a le Port à Piment, nous t'a le Roche à Bateau. En attendant que travaux pour ça lui fini. Maintenant, 4 communes, ça a de l'eau disponible 24 heures sur 24. Je suis étonné, je demande au magistrat Frisnel Chéri, magistrat de Rochabato, et par réservoir à plein, c'est le technicien Dine Parodi, DG, deux réservoirs de 500 mètres cubes ou bien 132 000 gallons en plein. Ils sont toujours pleins parce que n'a produit plus de l'eau que la quantité de monde qui existait, qui est environ 13 000 monde. Ça veut dire qu'il y a trop d'eau. Alors que pour la région métropolitaine, nous avons besoin de plus d'eau.
nous avons des travaux pas réalisés au niveau de Première Avenue Bolos, au niveau de l'Éclair, au niveau de Dikini, au niveau de Mariani, au niveau de Sous, Castor que nous captons au niveau de Mariani. Ça fait ça parce que l'environnement sécuritaire ne permet pas que le travail commence. Nous jouons un accompagnement, Banque Interaméricaine de Développement pour ne pas perdre l'argent. Il s'agit de deux ponts de trois travées, deux trottoirs et deux voies de circulation avec poutres en béton précontraint et tabliers en béton armé. Le pont sur la route 9 a 93,4 mètres de longueur, tandis que celui de Croix-des-Missions en a 78 mètres de longueur. Le débouché hydraulique de ces nouveaux ouvrages est trois fois plus grand que celui des anciens ponts. Ainsi, il n'y aura aucun risque que les eaux atteignent le tablier du pont au passage des cyclones. Le travail n'a pas été facile pendant la construction. On a dû faire face à diverses difficultés. La pandémie de COVID-19, des manifestations sociopolitiques et les méfaits de l'insécurité. Mais enfin, grâce à la détermination de toutes les parties, on est parvenu au but. Le fruit est maintenant disponible et va faciliter la mobilité des véhicules et des biens sur la route 9 et la route numéro 1. Le ministère des Travaux publics, Transports et Communications donne la garantie que ces ouvrages seront bien utilisés et entretenus. J'ai accepté volontiers de répondre ce matin à l'invitation du ministre Pradel de venir participer à cette inauguration parce que je voulais d'une part signifier l'appréciation de mon gouvernement pour l'accompagnement que le Japon apporte à notre pays et d'autre part pour montrer comme indiqué à l'article 12-10 de l'accord du 11 septembre 2021 que dans le cadre de la continuité de l'État, nous entendons poursuivre après évaluation les projets d'infrastructure engagés par les gouvernements précédents. En effet, plusieurs gouvernements ont supporté ces projets que nous ayons aujourd'hui, dont les études ont commencé depuis l'année 2015. Et les travaux de construction en 2018 pour prendre fin 4 ans plus tard. C'est un exemple de ce que nous pouvons faire quand nous décidons de gérer autrement les affaires de l'État et que nous comprenons que les grandes œuvres peuvent prendre du temps à se matérialiser et que chaque dirigeant doit prendre le relais et poursuivre ce que d'autres ont commencé, pourvu que ce soit dans l'intérêt de la collectivité. Justement, c'est ce que la cérémonie d'aujourd'hui nous permet de célébrer grâce à la coopération du Japon. Nous célébrons aussi l'amitié haïtiano-japonaise, qui nous a permis de construire les deux magnifiques œuvres d'art que sont ces deux ponts en béton précontraint jetés sur la rivière Grise au niveau de deux importants axes routiers, l'un à la route 9 et l'autre à la Croix des Missions. Le chemin parcouru a été long et le travail énorme, car on devait impérativement maintenir la circulation des véhicules au cours de l'exécution des travaux. Il a fallu pour cela construire deux ponts provisoires, démonter les anciens et en construire de nouveaux à leur place. À la Croix des Missions, le nouveau
pont remplace l'ancien qui était vieux de plus de 60 ans. Cet ouvrage constituait une inquiétude au passage de tous ces colonnes de catégorie supérieure ou égale à 3 qui provoquaient des crues importantes de la rivière Grise. Très souvent, le niveau de l'eau dans la rivière. Notre parmi nous aujourd'hui, afin de participer à cette cérémonie d'inauguration des ponts de la Croix des Missions et de la route neuve, construite avec le support de la coopération japonaise. En répondant aux requêtes du gouvernement haïtien qui encourage l'aménagement routier depuis le tremblement de terre de 2010, l'accord de don entre les deux pays a été signé en 2015 pour un montant de plus de 32 millions de dollars américains. Ces constructions ont été réalisées par les sociétés japonaises Central Consultant et Hazama Ando Corporation, que je tiens ici à chaleureusement remercier pour leur précieux dévouement. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer publiquement l'engagement, la diligence et le professionnalisme de leurs techniciens qui ont su mener à bon terme ce projet avec des résultats aussi impressionnants. Pendant une audience tout coûte devant tribunal à Miami, avocat qui représentait Mario Antonio Palacios Palacios, là, Alfredo Izaguirre, expliquait juge Jacqueline Becerra que, à cause surtout pandémie coronavirus là, n'est pas capable de rencontrer face à face avec Liani, qui donc n'est pas bien temps assez pour le préparer pour audience là. Juge là te répond, Mabbaou 30 jours et les fixer prochain paraître devant tribunal là pour 4 mars. Avocat gouvernement américain t'es d'accord avec demande ça. Palacios, qui gagne 43 ans, a fait face avec accusation d'est-ce que l'État a participé dans assassinat ou bien kidnapping d'un leader étranger en dehors pays États-Unis et que l'État fournit assistance matérielle qui t'est résulté dans leur mort, sachant que assistance ça t'a pas servi pour commettre soit un assassinat ou bien un kidnapping. Décision juge là pour renvoyer audience là, v'lait dit, Palacios a gain temps pour présenter déclaration sous culpabilité li ou bien innocence li. Ça va bailler avocat gouvernement tout plus temps pour montrer preuve pour appuyer accusation yo. Li possible tout que ça va permettre deux avocats yo entendre yo sous qui Jean Palacios parle plaider malgré que avocat li Izaguirre dit li pas envisager ça pour kounier. Colombien fait de bonne n'est pas écrit mercredi pour renvoyer audience là pour 30 jours, mais juge la porte comprend une décision. En pile moun tapton audience jodi a pour tendre officiellement accusation la justice américaine lancée contre Palacios à qui Jean li pral plaider, mais aucun bagay sa yo pas de fait. Pendant une conférence pour la presse improvisée après audience là, Izaguirre déclarait que Palacios pral proclamé innocence li 4 mars cap vinia. Yon lot accusé en connexion ak assassinat Moïse la, haïtien Rodolphe Jor li même pral tourner devant tribunal Miami 25 février. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te cap tande dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin ou matinée.